marche moyennement, oui. Je vous invite à vous asseoir pour que l'on puisse commencer, s'il vous plaît. Allez, je vous propose de passer à l'appel. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Nous démarrons l'appel. Éric Piolle. Oui. Elisa Martin donne pouvoir à Alain Denoyel pour la soirée. Hakim Sabri. Présent. Corinne Bernard. Bernard Macrae. Bernard Macrae, il va arriver, il est à la maison d'international. Je pense. On enchaîne. Sadok Bouzaïenne, Laurence Compara, Emmanuel Carros donne pouvoir à Madame Jacta pour la soirée, Marina Giraudelin, Thierry Chastagnier, Mondane Jacta, Pascal Clouer, Laetitia Lemoine, Alain Denoyel, Lucille Lheureux donne pouvoir à Madame Tavel pour la soirée, Vincent Fristeau donne pouvoir à Madame Garnier jusqu'à son arrivée, Catherine Racose, Fabien Malbet donne pouvoir à M. Marguet jusqu'à son arrivée. Maud Tavel. Jacques Viard donne pouvoir à M. Bertrand pour la soirée. Antoine Bach. Présent. Olivier Bertrand. Marie-Vonne Boileau. Marie-Madeleine Bouillon. Alain Confesson donne pouvoir à, Mme Bouillon pour la soirée. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datt. Elle arrive. René de Seguillet, Salima Gidel, Christine Garnier, Klaus Apfast, Martine Julian, Claire Kirchkayan, mais je l'ai vu. Kirchkayan, pardon. Mais j'ai pas les bonnes lunettes. Hein. Raphaël Marguet. Pierre Mériot donne pouvoir à Madame Bernard pour la soirée. Yann Mongaburu. Anne-Sophie Olmos. Bernadette Richard Finot. Jérôme Soldeville. Guy Tuchère donne pouvoir à Monsieur Chastagnier pour la soirée. Sonia Yassia. Anouche Agobian. Sarah Boukala donne pouvoir à M. Bourba pour la soirée. Paul Bron. Georges Bourba. Jeanne Jordanoff. Olivier Noblecourt donne pouvoir à Mme Jordanoff pour la soirée. Jérôme Safar donne pouvoir à Mme Agoubian pour la soirée. Marie-Josée Salah donne pouvoir à M. Bron pour la soirée. Vincent Barbier. Nathalie Béranger. Bernadette Cadou. Richard Cazenave, Mathieu Chamussy arrive. Philippe Lionel donne pouvoir à Monsieur Chamussy pour la soirée. Sylvie Pelafinet donne pouvoir à Monsieur Cazenave pour la soirée. Alain Breuil, présent. Mireille Dornano, présent. L'appel est fini, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Le quorum est donc atteint et je déclare la séance ouverte. J'en profite pour proposer à votre vote la désignation d'un secrétaire de séance en la personne de Marina Giraudelin, qui ne participe pas au vote. Le Front National, les Républicains, UDI, Société Civile, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui vote pour. Le Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes, Marina Giraudelin, sera donc notre secrétaire de séance. Permettez-moi de faire une introduction extrêmement courte. D'abord, de la commencer par vous remercier, conseillers municipaux, d'être là pour ce conseil municipal exceptionnel, puisque, comme je l'ai annoncé lors du conseil du 16 novembre, nous avons rajouté ce conseil afin de permettre au conseil communautaire qui se tiendra vendredi 18 d'approuver le rapport de la CLECT
Il faut au préalable que les communes aient délibéré et il se trouve que notre calendrier avait été fixé, de conseils municipaux avait été fixé très en amont comme nous en avons l'habitude et que celui de la métropole a été fixé en oubliant cet ordre des choses. Donc nous avons préféré rendre service à la collectivité comme ont dû le faire 2-3 autres communes plutôt que de devoir décaler le conseil métropolitain. Merci à vous pour cela. Il y a un an, nous accueillons ici même dans ce conseil municipal le président Christophe Ferrari qui était venu partager sa vision. Et nous avions débattu avec lui de finalement l'intérêt général et de la meilleure façon de répondre aux besoins des habitants de la métropole, aux besoins des habitants du bassin de vie, présents et à venir, en termes de services publics. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer le chemin parcouru, évidemment d'un point de vue des finances, et on va en parler avec la délibération qui va arriver, et également d'un point de vue politique, au sens noble du terme, puisque finalement, à travers la construction de la métropole grenobloise, il y a une nouvelle page pour le bassin de vie qui s'ouvre et une nouvelle page évidemment pour l'histoire de la ville. Et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que cette nouvelle page de l'histoire est une aventure collective enthousiasmante. On va évidemment y revenir puisque le seul objet et la seule délibération de ce conseil municipal est donc l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Avant cela, je vais faire adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal puisqu'il est prêt, il vous a été transmis. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Non, donc je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Front National, Républicain, UDI, Société Civile. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes. Le procès verbal est donc adopté. Et nous passons à la délibération qui va nous occuper ce soir et qui porte donc sur la commission locale d'évaluation des charges transférées. La métropole est à la fois une réalité géographique, évidemment, c'est aussi un projet politique, et évidemment c'est surtout sur cet aspect-là qu'il convient de s'arrêter, et finalement c'est la discussion, une des discussions centrales de nos démocraties modernes, de débattre du meilleur échelon pour mener des politiques publiques, pour administrer des politiques publiques, pour satisfaire l'intérêt général. Et on voit que ce débat, il est valide de l'articulation entre le quartier et la commune jusqu'à la discussion entre l'État et l'Union européenne. Donc c'est vraiment un débat structurant, je crois, de nos démocraties modernes. Et évidemment, le 1er janvier 2015, une étape majeure a été franchie puisque la métropole remplace la communauté d'agglomération. Il y avait d'abord deux choses à signaler. La première, c'est que ce passage en métropole est venu extrêmement rapidement après un élargissement très important en 2014 du territoire de la communauté d'agglomération. Et la deuxième, c'est que nous sommes une des trois des communautés d'agglomération qui sommes passées en métropole, les autres étant déjà des institutions plus intégrées qui étaient des communautés urbaines. Et on ne répétera pas ici ce que nous partageons comme constat, à savoir que la communauté d'agglomération grenobloise, non seulement n'était pas une communauté urbaine, mais en tant que communauté d'agglomération, était plutôt très en retard, avec peu de coopération intercommunale par rapport à ce qui s'est pratiqué ailleurs depuis une quinzaine d'années. Je ne vais pas m'étendre non plus sur les limites que l'on peut poser à cette réforme territoriale. J'en ai pointé les limites et parfois même l'incohérence. L'absence surtout, je crois, d'une ambition globale, puisque nous n'avons pas vécu finalement le grand saut à la fois en matière de décentralisation que nous aurions pu attendre et le grand saut en termes de simplification du millefeuille territorial. Mais bon. Ainsi
la loi a été faite et maintenant il revient aux élus de ce territoire de tirer le meilleur parti de cette métropole. Cela va de soi pour nos habitants qui passent d'une commune à une autre sans y prêter garde. Ça va de soi pour chacun qui a une activité professionnelle, associative, familiale qui se joue à l'échelle du territoire et pas dans des frontières administratives. Nous sommes usagers et acteurs de ce territoire. Et pour tirer profit au maximum de cette métropole, finalement, il fallait faire un choix ou bien se placer dans une dynamique concurrentielle ou bien faire le choix d'une logique de coopération. C'est ça finalement le vrai enjeu. Et à Grenoble, nous avons fait le choix de la coopération. C'était indispensable de le poser comme préalable parce que ça conditionne ensuite tout ce qui suit. Transfère-t-on à minima nos compétences et les agents qui produisent le service public lié à ces compétences ? Ou bien fait-on finalement le choix d'avoir une action cohérente, de donner à la métropole les moyens d'avoir du corps, de l'avoir de la proximité, d'avoir également des compétences qu'elle puisse assumer pleinement avec une lisibilité politique. Et ce choix particulier que nous avons fait à Grenoble, ce choix de coopération et d'aller à fond pour que les habitants du bassin de vie puissent avoir la logique territoriale la plus cohérente à nos yeux, finalement c'est le choix également que nous avons fait pour l'intérêt particulier des finances communales. On regarde non pas dans cette commission locale d'évaluation des charges de transfert comment on peut tirer parti de ces transferts, mais nous avons respecté pleinement l'esprit de la loi, à savoir transférer les compétences, transférer les agents qui produisent le service public lié à ces compétences et transférer l'ensemble des charges et des recettes qui sont liées à ces compétences. Et peut-être à ce stade, je vais faire une petite digression, si on peut lancer les diapositives, sur finalement ce qu'est une commission locale d'évaluation des charges transférées, parce que évidemment, si ceux qui se sont penchés là-dessus en ont vu la complexité et la nécessité, c'est intéressant, je crois, d'un point de vue du débat démocratique, de juste partager ensemble comment ça fonctionne, sachant qu'en plus, nous aurons à nouveau des commissions locales d'évaluation des charges transférées importantes prochainement, qui ne toucheront pas directement la ville de Grenoble, mais qui toucheront à nouveau la métropole, avec les transferts de compétences liés également au département, voire au conseil régional. Si on peut peut-être lancer le diaporama, il est là, ah oui, parce qu'il est dans mon dos en fait, donc c'est normal, et je n'ai pas des yeux dans le dos. Oui, non mais il n'y a pas de problème. Alors, je vais commencer sans les diapos, hein. Vous allez imaginer les diapos. La CLECT, d'abord, elle est composée d'élus de toutes les communes membres. Pour Grenoble, il y avait 8 représentants titulaires et autant de suppléants. Et donc, elle regarde l'ensemble des transferts financiers, les charges et recettes, les moyens matériels, les moyens patrimoniaux également liés à ces compétences. Pour les transferts des agents, nous avons pu également en débattre à plusieurs reprises tout au long de l'année. Le travail de transfert avait été fait en deux fois de façon principale. Est-ce que ça veut venir ou pas ? Ça ne veut pas venir. Alors, pour faire simple, avant le transfert de compétences, il y a des charges nettes qui correspondent aux compétences transférées. Et puis,
du côté du budget de la métropole en dépenses et du côté du budget de la commune en recettes, il y a l'attribution de compensation donc, qui est versée par la métropole dans le budget de fonctionnement de la commune. Cette attribution de compensation est liée à des transferts anciens, et notamment quand la métropole, la communauté d'agglomération à l'époque, s'est dotée d'une fiscalité propre. On va continuer, je vais vous dépeindre les diapositives, il n'y a pas de problème. Après, oui, je peux vous les montrer, non, mais ça va. Après le transfert, finalement, on vient déplacer les charges nettes liées à ces compétences portées par la ville. On les transfère à la métropole et la métropole, en échange, vient baisser son attribution de compensation pour que la somme de son attribution de compensation plus ses charges nettes corresponde toujours à l'attribution de compensation que la ville recevait. D'accord ? Je regarde quand même d'un œil si ça n'arrive pas. Grosso modo, non, je ne vais pas vous faire comme ça. Hein. Vous allez imaginer jusqu'à présent, tout va bien. Ah, ça s'améliore. Allez, donc après le transfert, on se retrouve donc mécaniquement avec une attribution de compensation qui est réduite, d'accord ? Ça fait une dépense réduite pour la métropole, elle assume les charges que supportait la ville, et donc la ville n'assume plus ses charges, mais elle a vu réduire son attribution de compensation d'autant. Tout va bien jusque-là. Très bien. Le calendrier de cette commission locale d'évaluation des charges de transfert a été donc, les travaux ont été lancés 1er janvier 2015 quand la métropole a été constituée. Entre février et novembre 2015, il y a eu 7 réunions de cette commission locale d'évaluation des charges de transfert pour à la fois dans les premières arrêter, choisir la méthodologie et puis après choisir les montants, définir les montants prélevés sur les attributions de compensation versées aux communes. Le processus s'est terminé par 2 réunions d'approbation des rapports, le 12 novembre et le 26 novembre, où en 2 fois, la commission a donc voté l'ensemble des transferts, l'ensemble des charges qui étaient afférentes. Enfin, donc, vendredi 18 au Conseil métropolitain, il y aura l'attribution du rapport de la CLECT par le Conseil métropolitain. Au préalable, le vote des conseils municipaux sur ce rapport. Et il est à noter que le rapport de la CLECT ne peut être modifié, ne pourra être modifié par les élus du Conseil métropolitain que par l'unanimité. Autant dire que le rapport est difficilement modifiable et il n'y a que s'il y a des erreurs matérielles évidente qui aurait pu passer à travers les fourches codines des différents travaux que cela pourrait être modifié pour que le rapport soit approuvé au Conseil métropolitain. Il faudra que la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population votent ce rapport. Il est à noter qu'il y a eu assez peu, lors de la commission elle-même et du vote de la commission elle-même, assez peu d'opposition ou d'abstention sur les différents dispositifs. Alors maintenant, quand on en arrive à Grenoble, peut-être un petit dernier point pour dire que cette commission était présidée par Didier Custeau, donc élu de Noyaret, et vice-présidée par Michel Vergnol, élu de Cessin. Et que donc ils ont eu à mener un travail extrêmement important, souvent fastidieux, puisque on ne parle que de chiffres et que la question centrale, évidemment, d'évaluer correctement les dépenses passées des communes afférentes aux compétences transférées. En ce qui concerne maintenant la situation pour Grenoble, et donc le vote du rapport qui vous est soumis aujourd'hui, concernant la ville de Grenoble, l'ensemble des charges nettes qui sont transférées, donc une fois qu'on a regardé toutes les recettes qu'on avait liées aux compétences, toutes les dépenses liées aux compétences, représente une charge nette pour la ville de 12,9 millions d'euros. Et donc, nous aurons une baisse de l'attribution de compensation de 12,9 millions d'euros. Elle passera donc de 44,7 millions d'euros à 31,8 millions d'euros.
Ça correspond donc aux recettes et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement. Ça, c'est à noter, on en va en reparler dans quelques minutes. Transférées à la métropole, liées au développement économique, liées au marché d'intérêt national, liées aux abattoirs, liées à l'énergie, liées à l'urbanisme et essentiellement la compétence du plan local d'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal qui va maintenant être créé. Lié pour une part, spécificité ici, donc à l'enseignement supérieur, puisque l'école supérieure d'art et de design a été transférée évidemment, lié aux compétences sur le logement et le foncier, la politique de la ville, l'environnement, les défenses extérieures contre l'incendie, les déplacements, le stationnement en ouvrage, donc les parkings en ouvrage, le tourisme, la voirie et l'eau potable. Il y avait évidemment lié à ces compétences des transferts, plutôt des charges indirectes, puisque toutes ces fonctions sont assurées avec des fonctions support, avec un environnement de travail lié aux compétences transférées et que cela rentre dans le schéma général. Alors, vous verrez, non, c'est définitivement perdu. Le diaporama, d'ailleurs, oui, pour ceux qui nous regardent ou pour tous ceux qui voudront s'y référer, il sera mis donc sur le site Ville. Pour ceux qui voudront, il est mis déjà sur le site Ville, donc vous pouvez vous faire une séance de rattrapage quasiment en direct. Que dire d'autre, si ce n'est que donc, ces 12 millions sont à mettre en regard donc de l'ensemble des transferts de la CLECT qui s'élève à une petite trentaine de millions, donc c'est des transferts importants. Enfin, je terminerai par là avant qu'on passe à nos échanges, il y a eu la création d'un mécanisme intéressant qui avait été débattu assez tôt lors des travaux de la CLECT qui visait la soutenabilité de ces transferts pour les communes, pour les budgets des communes. Pourquoi cette question? Puisque normalement on transfère les charges et les dépenses, donc c'est censé être totalement neutre. C'est lié en fait au transfert de charges d'investissement. Quand on transfère de l'investissement, donc c'était un investissement qui était donc finançable potentiellement par de l'emprunt, c'est transféré à la métropole et donc ça vient en déduction de l'attribution de compensation. Et évidemment, ça a entraîné une mécanique pernicieuse qui n'était pas forcément prévue, ou en tout cas pas forcément pensée, et surtout pas soutenable pour le budget de l'ensemble des communes. C'était qu'on se privait de moyens finançables par de l'emprunt pour venir gréver le budget de fonctionnement. Pour compenser cela, on a mis en place évidemment avec les compétences, il y avait des emprunts qui étaient afférents à ces compétences. Donc quand les emprunts étaient clairement identifiables, on a transféré les emprunts avec la compétence et ça ne pose pas de problème. Là où les emprunts n'étaient pas clairement identifiables, nous avons calculé métropole et l'ensemble des communes. Ce qui, dans les emprunts des communes, restaient liés à ces compétences. Et finalement, la métropole rembourse dans l'attribution de compensation le capital et les intérêts ces dettes contractées pour des compétences qui ont été transférées. Et donc, cela permet de moins baisser les recettes de fonctionnement. Et donc de venir finalement apurer ce problème d'investissement qui se transformait en baisse de recettes de fonctionnement. En échange, par contre, puisque du coup c'est un coût également pour la métropole, les communes viennent supporter des frais financiers de 2% et donc qui sont déduites de l'attribution de compensation et qui sont déduites ad vitam, donc il y a un petit coût pour les communes, mais qui permet la soutenabilité des budgets. Voilà, grosso modo, pour ces transferts d'emprunt,
Donc c'est pour Grenoble une dette récupérable de 2,7 millions d'euros. Les emprunts identifiés facilement transférables, ça a été le stationnement, l'eau, les locaux économiques. Et pour la dette récupérable, donc c'est 25 millions d'emprunts qui étaient souscrits au titre des compétences transférées. La métropole va donc rembourser ces 25 millions à la commune sur 15 ans. Donc en 15 fois 2,7 millions pour couvrir les annuités et le capital. Et en échange, donc la ville de Grenoble paiera 2% de frais financiers comme les autres communes de ce dispositif et donc verra son attribution de compensation baisser de 2%, soit 500 000 euros. Et donc finalement, c'est la structure de financement finalement de la commune qui est transférée à la métropole. Ah oui, mais là c'est trop tard, je ne vais pas vous le refaire. Hein. Non, merci, une belle tentative. Et donc vous pourrez les consulter sur le site de la ville. Pour ce qui est de la présentation de cette délibération, j'en ai fini. Et donc nous pouvons passer aux questions. Il y a pu avoir des questions techniques qui ont pu être posées en commission. Il peut y avoir des questions, évidemment, pour notre conseil d'ordre politique. Et donc je prends maintenant les demandes de prise de parole. Oui, monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, le document très complexe qui nous a été remis vise donc, comme vous venez de le rappeler, à chiffrer le montant des transferts que nous faisons à la métro. Donc, nous listons d'un côté les charges, c'est-à-dire des frais de fonctionnement, d'entretien, des salaires, des remboursements d'emprunts, des amortissements, etc. Et de l'autre côté, on estime des recettes, essentiellement des loyers, des redevances d'occupation du service public, des produits divers et autres. Alors, quand on sent poindre une difficulté, on utilise le principe d'une cote mal taillée, globalement, et l'on prévoit une clause de revoyure. Pour ma part, je ne suis pas fondamentalement hostile. Effectivement, il n'est pas toujours facile de prévoir le coût futur d'un renouvellement ou d'un entretien. Vous avez sûrement tous une voiture, vous savez ce qu'elle vous a coûté, vous ne savez pas si demain ou après-demain, il ne faudra pas que vous ayez un jour à refaire le joint de culasse ou l'embrayage. Donc, pour les biens de nature économique, la méthode employée nous semble évidemment satisfaisante. Et la réalité, c'est que nos comptabilités modernes permettent effectivement de savoir où l'on s'en trouve. Néanmoins, dans ce rapport, enfin pour ceux qui ont eu le courage de le lire, parce que je vous avoue que c'est un petit peu serjoint, on constate quand même des choses un petit peu surprenantes ou nouvelles, enfin pour moi, nouvel élu. On constate par exemple que le marché d'intérêt national nous coûte pas moins de 600 000 euros pour 27 000 euros de recettes. C'est à se demander s'il faut encore percevoir des recettes sur un tel équipement qui nous coûte 600 000 euros pour 27 000 euros de recettes. Et puis on découvre qu'il y a d'autres locaux économiques qui sont de petits Alpexpo en puissance. Je pense par exemple au bâtiment Cémois qui est en déficit de 328 000 euros, alors que d'autres sont excédentaires, comme par exemple la halle Corin qui affiche a priori 114 000 euros d'excédent. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas qu'Alpexpo qui pose quelques petits problèmes financiers. Simplement, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Donc, je n'ai pas fait la somme des plus et des moins. On doit la retrouver quelque part en tout petit. J'aurais aimé quand même que dans le rapport, on nous l'indique un petit peu. Alors, évidemment, il y a pas mal de questions qui se posent sur la méthodologie qui a été employée, parce qu'effectivement, le document ne paraît pas quand même d'une rigueur absolue. Alors, on nous explique par exemple pour les ouvrages d'incendie qu'ils coûtent en moyenne 2 400 euros. Et on nous dit, ben non, on va baisser ça à 2 000 euros. Peut-être, il y a une explication, mais je pense qu'on mériterait de savoir pourquoi. On nous parle aussi des subventions d'équilibre pour les stationnements en ouvrage. Alors, évidemment, on constate une épargne nette importante dans ces budgets annexes. Et puis, on nous propose de retenir, ça sort absolument du chapeau, une subvention d'équilibre de 2 600 000. Selon les travaux d'analyse prospective du comité technique d'Ixit le document. Et il faut se satisfaire de l'explication. Comme aurait dit Molière dans Le médecin malgré lui, je crois, votre fille ne parle pas, ben c'est pour cela que votre fille est muette. Bref, devant ces approximations, ce manque évident de rigueur, j'ai regardé plus en détail au moins un point, et c'est la voirie. Alors là aussi, j'ai bien noté, et vous avez bien noté, je ne suis pas un spécialiste de la voirie, je ne suis pas ingénieur de travaux publics ni ponts et chaussées, mais j'ai quand même
noter des choses qui me paraissent pour le moins soit des erreurs, soit des incohérences, soit alors des choses au moins très mal présentées. Alors j'ai bien noté qu'il s'agit de travaux d'entretien et non pas de création de voiries nouvelles. Alors comment se présente le document? Eh bien, il prévoit deux méthodes. Ce document prévoit deux méthodes. On demande aux communes d'évaluer elles-mêmes le coût de ces ouvrages. Bon, eh bien, ça, c'est assez facile. La plupart des communes savent analyser avec précision ce que leur a coûté ou ce que va coûter l'entretien des chaussées. Et puis, la seconde méthode consiste à estimer, et tout le problème est là, le coût des opérations d'entretien et de les chiffrer en quelque sorte souvent au mètre carré. Alors, on valorise ainsi les diverses étapes d'un process de rénovation de route. Par exemple, le décaissage, par exemple, le rabotage, par exemple, l'évacuation des déchets, la remise en place de nouvelles couches de surface. Et là, on trouve des choses qui sont pour le moins surprenantes. Alors, si quelqu'un a la réponse, qu'on me la donne, hein, c'est clair, et je ferai amende honorable, mais tel que c'est présenté, c'est quand même vraiment très surprenant. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Page 61 de ce rapport, vous y apprenez que la démolition, c'est-à-dire le décaissement, sur 6 cm d'épaisseur d'un morceau de 1 mètre carré, c'est valorisé à 1,97 euros. Même pas le prix d'un demi au bar du coin, qu'on m'explique. Si vous faites ça au marteau-piqueur avec un ouvrier qui va coûter environ 40 euros de l'heure, avec les charges, etc., vous lui donnez 3 minutes pour décaisser sur 6 cm 1 mètre carré de chaussée. Moi, ça me paraît strictement impossible. Alors effectivement, si vous utilisez une machine adaptée, vous le ferez peut-être en 3 minutes. Mais le coût, ce ne sera pas 40 euros de l'heure. Ce sera 400 euros, 600 euros, 1000 euros de l'heure. À supposer que ces machines puissent rentrer dans Grenoble. Oui, Madame Bernard, je vois que je vous ennuie un petit peu, mais ce sont des choses qui semblent très précises. C'est de la technique, je sais, c'est de l'argent, c'est un peu chiant, mais j'ai fait l'effort de tout lire, de tout étudier, et je voudrais quand même vous dire ce que j'ai vu, tout simplement. Alors, surveillez votre vocabulaire, s'il vous plaît, et continuez. Ah, je n'ai absolument rien dit. J'ai dit que c'était un peu chiant. Oui, c'était un peu chiant, oui. On peut s'en passer. Ce qui est chiant, c'est l'étude de tout cela. On continue, monsieur Breuil, vous continuez. Alors, page 66, on nous parle de voirie lourde et de voirie super lourde. C'est lié au tonnage de poids lourd. Je ne rentre pas dans le détail. Et on apprend que le décaissement d'une couche supplémentaire de 5 cm sur 1 mètre carré, c'est valorisé à 1 euro. Même pas le prix d'une baguette de pain. Alors qu'on m'explique là aussi. Et pour ces voiries, on ne parle plus d'évacuation des matériaux. Là, c'est passé à la trappe. Alors avec ces chiffres pour le moins surprenants, on arrive à la chose extraordinaire suivante, que pour décaisser sur 20 à 25 cm de profondeur, 1 mètre carré de voirie, ça coûte entre 5 et 8 euros. Alors moi, qu'on m'explique, moi je ne sais pas faire à ce prix-là. Même à 500 euros, je crois que ce n'est pas possible. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Alors, on peut peut-être avec les travailleurs détachés, ce sera un petit peu moins cher, effectivement, M. Chamussy. Alors, pour continuer sur le même chemin, non, mais tout ça, ça vient du rapport, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est très clair. Pour continuer sur le même chemin, on y apprend que si vous décaissez un trottoir sur 4 cm, eh bien, c'est comme une chaussée sur 6 cm, 1,97€, passé muscade. Si vous creusez encore un peu, vous verrez que l'évacuation des matériaux générés par un décaissement de 6 cm, ça fait 0,2 m3 en zone urbaine et 0,4 m3 en zone non urbaine. Pourquoi? J'en sais rien. Comprenne qui pourra. Et si vous voulez creuser encore un peu, excusez-moi, c'est malheureusement le sujet de la délibération, eh ben vous y apprendrez que le rabotage est valorisé à 6,50 €, que ce soit sur 4 cm ou 6 cm. Bref, moi, j'aime pas beaucoup les copier-coller et les tableaux Excel. Et comme disent nos amis anglais, garbage in, garbage out. Si vous rentrez quelque chose de pas juste, eh ben vous ne sortirez pas quelque chose de juste. Alors, je n'ai jamais travaillé dans les travaux publics. J'aurais aimé demander à M. Safar s'il avait quelques lumières sur le sujet. Mais si quelqu'un veut lui passer la question, ce sera avec le plus grand plaisir. Il a peut-être des idées plus précises que les miennes sur le sujet. Ces observations sont, selon moi, très intéressantes, néanmoins, pour aider à comprendre l'écart que nous trouvons entre la valeur déclarée par la commune et la valeur calculée par le cabinet. Effectivement, page 56, vous apprendrez dans le tableau intitulé « Dépenses totales annuelles issues de la déclaration » que la ville de Grenoble a dépensé 6,67 millions d'euros pour le fonctionnement et 9,42 millions d'euros au titre des opérations d'investissement, soit exactement 16 millions d'euros. C'est la déclaration de la ville de Grenoble.
Par contre, page 79, après avoir passé toutes nos voiries à la moulinette et à la calculette, on y apprend que nos charges de voirie calculées, sans déduction des recettes, s'élèvent seulement à 11,8 millions d'euros. Essentiellement à cause d'une diminution sensible des charges d'investissement, 5,9 contre 9,4 millions. Ça mériterait, là aussi, je pense, une explication. Eh bien non, il n'y a rien. Il y a 4,2 millions d'écart entre la déclaration de la ville et les calculs du cabinet. Donc, moi, je voudrais qu'on m'explique un petit peu. Et ce n'est pas fini. Et le problème, c'est que ce n'est pas fini. Et il y a une autre chose qui me surprend beaucoup, c'est page 80. Nous avons un tableau de synthèse qui présente les charges minorées des recettes de voirie. On y apprend d'ailleurs au passage que les recettes liées aux amendes de police, c'est quand même plus de 6 millions d'euros. Je pense que ce n'est pas l'enjeu du jour, donc n'en parlons pas, mais je pense que ça vaut la peine d'être noté. On y apprend donc que les 11,8 millions d'euros de charges minorées de ces amendes, des redevances d'occupation du domaine public, des subventions et du fonds de compensation de TVA, nous donnent une charge nette de 2,23 millions d'euros. En regard, nous avons une charge nette de fonctionnement de 4,26 millions d'euros. On ne sait pas encore d'où sort ce chiffre. Ce qui est par contre très étonnant, et je vous pose la question, comment se fait-il qu'à Grenoble, les charges de fonctionnement soient le double des charges calculées, alors que dans toutes les autres communes de l'agglomération, on a des charges qui sont 2 à 2,5 fois plus faibles. Là aussi, il n'y a aucun début de commencement d'explication. Alors après, c'est encore très drôle. Viennent ensuite des considérations sur le coût des fonctions support. Alors les fonctions support, c'est quoi? Ce sont les fonctions qui sont liées aux ressources humaines, aux finances, à l'informatique, à la gestion et tutti quanti. Alors on y apprend que dans les communes de moins de 2000 euros, il y en a dans l'agglomération, c'est valorisé à 0%. Pour la ville de Grenoble, c'est 8%. En d'autres termes, plus c'est gros, plus ça coûte cher. Avec une super métropole qui est tout sauf une métropole super, on risque d'arriver un jour à 10 à 12% de frais de fonction support. C'est sans doute ce que nos crânes d'œufs à Paris appellent des économies d'échelle. Et puis après, pour finir, on nous expose le mécanisme de la dette récupérable. Alors effectivement, monsieur le maire, vous m'avez donné quelques explications, je ne reviendrai pas là-dessus, je me demandais un peu d'où venait ce chiffre de 502 000 euros, effectivement ce sont les intérêts, je l'ai compris, donc je ne reparle plus de cela. Mais malheureusement, monsieur le maire, ce n'est pas encore tout, je suis désolé. Désolé de rentrer encore dans les chiffres, désolé madame Bernard, mais c'est vraiment le cœur du débat de ce soir. Je sais bien que les chiffres ne vous amusent pas beaucoup, mais c'est le cœur du débat. Page 100, nous avons encore un tableau qui estime aujourd'hui notre attribution de compensation à hauteur de 31,86 millions d'euros. Monsieur le maire vient de le rappeler. Au budget prévisionnel 2015, notre dotation métro, c'est donc la somme de l'attribution de compensation plus la dotation de solidarité communautaire, était de 51,96 millions d'euros, soit 20 millions de plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous rajoutez les 7,2 millions d'euros de dotation de solidarité communautaire à cette estimation de 31,8 millions d'euros de nouvelles valeurs de l'attribution de compensation, on arrive très exactement à 39,06 millions d'euros. Eh bien moi, je me rappelle qu'il y a à peine un mois, lors du débat d'orientation budgétaire, on était entre 39,9 et 41,4. C'est-à-dire qu'on avait surévalué entre 900 000 et 2,5 millions l'ensemble des dotations de la métro. Alors j'ai commencé à aussi regarder le budget 2016. Effectivement, vous en avez un peu tenu compte. Et vous partez aujourd'hui sur 39,7 millions d'euros de dotation métro. Mais là encore, c'est 700 000 euros de trop par rapport à ce qui est indiqué dans ce rapport. Vous comprendrez donc, monsieur le maire et mes chers collègues, que nous ne pouvons accepter cette évaluation. Je sais que j'ai très peu de chances d'être entendu, mais nous vous suggérons quand même de reconvoquer le cabinet qui a pondu ce document pour qu'il puisse justifier les données, justifier les ratios qu'il a employés, justifier cet écart entre ce qui est calculé et ce qui a été déclaré par les communes, notamment au niveau de la voirie, bien sûr, et qui nous explique comment sont sortis un peu tous ces chiffres pour ceux que nous ne sommes pas capables de voir, d'évaluer et de contrôler. Alors, nous ne sommes pas membres de la CLEC parce que nous n'avons fait que 8% en 2014, mais si un jour une telle réunion venait à avoir lieu, je pense qu'il ne serait pas anormal qu'on nous y invite aussi. Alors, en un mot, commençant,
Nous ne sommes pas satisfaits de ce rapport, ni dans la fond, ni sur le, ni dans la forme, ni dans le fond. Nous aimerions d'ailleurs savoir combien il a coûté et sur quels critères il a été attribué. Nous aimerions que M. Yann Lemeur, PDG de Ressources Consultants Finance, c'est l'auteur de la brochure, qui est capable d'écrire en langue bretonne, qui parle le breton, pas le grand breton, le breton, qui joue de la bombarde et du biniou, revoit sa copie avec rigueur. Si je dis ça, c'est parce que je l'ai vu, d'accord ? Nous n'avons rien contre les bretons, ni contre les bretons bretonnants, vous le savez bien, vous savez d'où vient la famille Restez Le Pen. Restez dans le sujet, s'il vous plaît. Oh, j'y suis. Restez dans le sujet. Mais l'enjeu du chiffrage... L'enjeu du chiffrage de ces transferts est trop important pour Grenoble et le Grenoblois pour que l'on se satisfasse, selon moi, de tant d'approximations. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, monsieur Cazenave. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, c'est un débat assez technique. Hein, vos efforts, monsieur le maire, pour essayer de présenter une explication sur le sujet... démontre assez que c'est un sujet un peu complexe, un peu technique. En réalité, assez simple, puisque la métro prend des compétences que nous transférons, et en échange, elle nous reverse moins d'argent qu'elle nous versait précédemment. Voilà. Alors, tout le problème consiste à évaluer de façon correcte le montant des charges que nous transférons à la métro. Et en ce qui nous concerne, j'ai participé à un nombre de réunions de la CLEC, pas aux toutes dernières, mais nous nourrissons un certain nombre de craintes sur le chiffrage qui a été opéré. Les incertitudes ont plané jusqu'au bout, puisque la veille de la décision, le 25 novembre à 21h, le montant de l'attribution de compensation de Grenoble était de 2 200 000 euros moins élevé qu'elle ne l'était le lendemain, le 26 novembre à 12h. C'est-à-dire qu'en une matinée, les chiffres ont varié de manière assez considérable, 15%, par rapport aux travaux précédents de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Et il en est de même pour Saint-Martin-d'Air, pour Saint-Martin-le-Vinou, pour Verey. Il y a eu des changements très, très importants qui sont survenus au tout dernier moment, entre la soirée du 25 novembre et la matinée du 26. Cela ne nous convainc pas de la rectitude et de la fiabilité des évaluations qui ont été faites. Et nous avons notamment un exemple que je peux vous citer parce qu'il est connu de tous et qu'il est... inscrit dans les rapports officiels, c'est celui du réseau d'eau pluviale. Le premier transfert du réseau d'eau pluviale en 2000 concernait 21 communes, élargi ensuite à 28 communes. La CLEC a évalué ce transfert pour les 28 communes à 1 700 000 euros. Quel a été le coût enregistré réellement par les métropoles pour cette compétence ? Il a été de 4,4 millions d'euros, c'est-à-dire 2,5 fois le prix de l'évaluation qui avait été faite par la CLECT. Aujourd'hui, avec 49 communes, l'évaluation du coût des travaux et de l'entretien du réseau d'eau pluviale par la CLECT pour les 49 communes est évaluée à 3 millions d'euros. Alors que la métro, sur la base de son expérience, pour les 28 communes, le chiffre à 6 millions d'euros, à tel point que une clause de revoyure, à peine signons-nous le rapport de la CLECT fin décembre 2015, qu'une clause de revoyure est prévue en 2016 pour regarder à nouveau ce dossier. Donc c'est peu dire que on est dans une très probable sous-évaluation du coût des charges qui ont été transférées. Ça peut se comprendre dans un contexte où les communes sont soumises les unes et les autres, Grenoble comme les autres, à des conditions de transfert de subventions de l'État qui se durcissent, qui se raréfient, et donc où les ressources sont rares. Donc on cherche évidemment
à garder la plus grande attribution de compensation possible en évaluant au plus juste, au plus faible, le coût des charges transférées à la métropole. Mais les risques dans ce cas-là sont de deux ordres. Le premier, c'est que nous ayons un service public de la voirie qui, étant estimé à minima, soit traité aussi à minima par la métro. Or, notre réseau de voirie est déjà dans un état qui n'est pas très satisfaisant. Donc, il y a là de vraies inquiétudes. Elles sont d'autant plus nourries, ces inquiétudes, que nous entrons pour la voirie dans un cadre plus complexe que celui qui préside à ce travail aujourd'hui. C'est d'ailleurs, à notre sens, un peu une erreur de la loi MAPTAM que d'avoir voulu à tout prix transférer la voirie. Qu'on nous dise que les déplacements sont de la compétence métropolitaine, il y a un réel plus. Mais de transférer la voirie à la métropole, on voit bien qu'on s'éloigne de la décision, qu'on s'éloigne de l'exécution, et que, par conséquent, on complexifie la chose sans pour autant y gagner en efficacité financière. Donc, premier risque, c'est une perte de qualité dans l'entretien de la voirie. Et deuxième risque, c'est qu'il y ait une explosion de la fiscalité métropolitaine. Et là, je prends rendez-vous avec vous, je prends rendez-vous sur cette question, parce que nous avons l'exemple de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Lorsque les outils concernant la TOM ont été transférés à la métropole, ils l'ont été sur la base d'un chiffrage qui a été fait à minima également. Et puis, la réalité du terrain, la réalité des besoins, a fait que la métro a bien été obligée d'acheter des camions nouveaux, de faire des investissements assez considérables, d'organiser son réseau. Et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a explosé au niveau des coûts. Donc, nous prenons rendez-vous en pensant que malheureusement, ce qui se prépare, c'est à la fois, en ce qui concerne la voirie, nous ne contestons pas le fait que les autres compétences seront mieux exercées au niveau métropolitain qu'elles ne le sont aujourd'hui par chaque commune prise séparément. La métropole a un sens en soi. Mais en ce qui concerne la voirie, nous pensons que nous allons vers à la fois une perte de qualité et une augmentation des dépenses. Et donc, voilà les réserves que nous exprimons. Nous comprenons par ailleurs que, pour des raisons de soutenabilité, les emprunts soient, pour la partie évaluée concernant la voirie de 25 millions d'euros, transférés à la métropole. Nous espérons que nous retrouverons dans le budget de la ville les conséquences positives de ce transfert, puisque la contrepartie, c'est que nous devrions retrouver dans le budget de la ville une capacité d'endettement nouvelle, des marges de manœuvre nouvelles. Donc nous attendons de le vérifier. Voilà les raisons pour lesquelles nous n'exprimerons pas un vote positif sur ce dossier, d'autant que les communes du groupe Métropole d'Avenir, dans leur ensemble, seront certainement amenées à voter contre cette CLECT, dans la mesure où, n'étant pas associé à l'exécutif et étant la seule métropole en France où l'opposition n'est pas associée à l'exécutif, ce qui est assez regrettable, nous serons amenés également à nous positionner en contre les décisions de gestion qui sont les vôtres et qui doivent rester les vôtres. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Madame Olmos. Merci. Chers collègues, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, loi MAPTAM, impose aux communes une nouvelle organisation. Le choix de la ville de Grenoble est de ne pas limiter son ambition métropolitaine à une application minimale de ce nouveau cadre juridique. Notre responsabilité, à tous, ici, est de donner du sens à ce chantier. Nous sommes au démarrage d'une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Et dans cette nouvelle aventure collective, un principe fondamental nous guide, bâtir les politiques publiques métropolitaines à partir des besoins des habitants. Dans ce domaine, la puissance publique locale a pris du retard.
Les modes de vie des métropolitains débordent les frontières administratives des communes depuis déjà un certain temps. L'enjeu de notre métropole, c'est bien sûr d'aller de l'avant pour rattraper ce décalage. C'est aussi anticiper les besoins, les défis auxquels nous devrons, demain, apporter des réponses. La baisse inouïe des dotations de l'État nous invite d'autant à bâtir une métropole adaptée aux besoins et pas une métropole abstraite, lointaine, qui ne serait qu'un guichet de plus. Que nous soyons de ce côté du boulevard Jeanpin ou bien de l'autre côté, côté Malakoff, nos engagements restent identiques. Mettre en œuvre les politiques publiques qui répondent aux urgences du moment, tout en préparant l'avenir, pour Grenoble, pour sa métropole. La ville de Grenoble est prête et volontaire, en tant que ville, à relever les défis du XXIe siècle à l'échelle de la métropole. Pour une métropole apaisée et reliée, en réponse aux enjeux écologiques et sociaux de notre temps, grâce aux compétences d'énergie et d'eau, d'habitat et de plan local d'urbanisme, de mobilité, et pour une nouvelle vision de l'espace public. Pour un bassin de vie attractif hors de tout dumping économique, pour le tourisme et l'économie locale, ou pour y faire ses études. Pour une politique de la ville cohérente et une équité des territoires. Le travail minutieux et rigoureux d'établissement du rapport de la CLECT aura ainsi permis de passer une première étape de dialogue des représentants et agents des communes avec ceux de la métropole, de partager et d'avancer ensemble. C'est l'occasion de féliciter le travail remarquable et de longue haleine fourni par les services de la ville, ceux de la métropole et de toutes les communes. La qualité d'implication et la disponibilité des élus et des services grenoblois dans la CLECT a été remarquable et remarquée par son président et son vice-président et de nombreux élus de toute l'agglomération. Pour autant, notre ville doit s'adapter à toutes ces transformations en étant capable de faire naître la ville de demain. En connexion avec l'émergence de sa métropole et concentrée sur ses compétences municipales clés en matière d'école, d'action sociale, de petite enfance, de développement de proximité. Alors que d'autres défis arrivent avec bientôt le débat sur l'intérêt communautaire, sportif et culturel. Pour que les métropolitains comprennent le sens de ces actions, chaque niveau d'intervention doit agir à sa juste place. À nous de faire émerger la cohérence d'ensemble. Une métropole forte et ambitieuse, enrichie des expériences communales, assurant la cohésion de leurs politiques publiques sur tout le territoire métropolitain, tout en respectant leur légitimité et leurs prérogatives. Une métropole qui se fortifie et qui se doit de se connecter au plus près de ses habitants. Afin d'assurer le lien de proximité, notre métropole doit prétendre à une meilleure représentativité. Le mode de scrutin actuel n'est pas à la hauteur d'une démocratie locale revivifiée dont notre monde a plus que jamais besoin. Quel moyen plus légitime alors que le suffrage universel direct et une représentation à la proportionnelle des forces politiques élues par les métropolitains. Ce soir, l'approbation du rapport de la CLECT nous permet d'afficher une ambition commune et responsable de réussite pour faire métropole. Je vous invite à confirmer par votre vote ce soir, chers collègues, ce soutien massif dans l'agglomération au rapport de la CLECT. Ce sera un signal politique positif, au-delà de nos sensibilités politiques, de l'équilibre trouvé dans les discussions sur l'évaluation des charges transférées d'une part, et d'autre part, et surtout, de la place que Grenoble entend jouer dans cette construction métropolitaine. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Chamussy. D'abord, je dois vous présenter des excuses pour mon retard. J'y tiens. 40 minutes pour faire Porte de France, Hôtel de Ville. Quand je pense qu'il y a des gens qui veulent supprimer les voies de circulation. En tramway, vous auriez été à l'heure, monsieur Chamussy. C'est passé. Pour adapter son moyen de transport à la distance. Excusez-moi, je travaille à l'extérieur de Grenoble et je n'avais pas de moyen de transport. Je prends le train régulièrement, mais à cette heure-là, je n'en avais pas la possibilité. Sinon, je vous remercie, j'ai un abonnement TER. Merci. Cela étant, pour en revenir au sujet, il faut d'abord
dire une chose qui n'est pas propre à Grenoble, qui n'est pas de votre responsabilité première, ça n'empêche pas de le dire, c'est qu'il y a dans ce processus un péché originel. Parce que tout ceci est fondé sur le déclaratif des communes. Et que pour que tout le monde, ceux qui nous écoutent, comprennent bien, la commune qui déclare une charge la plus faible possible va se voir son attribution de compensation faiblement diminuée. Que donc, il y a un jeu pervers qui consiste à minorer la charge transférée pour voir, dans le même dès lors, l'attribution de compensation diminuer le moins possible. On avait vu ça, effectivement, Richard Cazenave l'a évoqué, avec le transfert des investissements liés au ramassage des ordures ménagères, et ça avait eu une double conséquence. Certaines communes avaient minoré l'investissement, et surtout s'étaient arrêtées 2 ans avant de réaliser tout investissement. Et donc, non seulement la charge avait été minorée, mais plusieurs en avaient récupéré du matériel dans un état épouvantable. Il y a l'exemple. Et on retrouve ce genre de mécanisme, évidemment, cette fois-ci. Comment expliquer que Grenoble déclare, et ce n'est pas une critique à votre endroit, en l'occurrence, comment expliquer que Grenoble déclare un coût d'élaboration des documents d'urbanisme à 1,90 € pièce, que dans le même temps, Échirolles le déclare à 40 centimes. Que des petites communes l'estiment à un coût très supérieur, parce qu'il y a un effet d'économie d'échelle, on peut le comprendre, mais quelle marge? Qu'est-ce qui distingue le coût d'élaboration des documents d'urbanisme à Échirolles à 40 centimes et à Grenoble à 1,90 €? Bon. Sur l'eau pluviale, 1,7 estimé, 4 de réel. Et on continue avec la même grille de lecture, les mêmes modes de calcul. Et c'est bien normal que les 21 communes qu'ils transfèrent aujourd'hui demande à ce qu'on leur applique les mêmes ratios qui ont été appliqués aux 28 autres précédemment. Nous savons que les critères qui ont été choisis pour le transfert des eaux pluviales minorent de 2,5 fois le coût réel du transfert de la compétence, et nous utilisons les mêmes ratios cette fois-ci pour les 21 communes qui transfèrent la compétence eaux pluviales. Autant on peut comprendre que ces communes-là se soient battues pour obtenir les mêmes critères. Il n'y a pas de raison que pour les 28 autres, ce soit la métropole qui aujourd'hui assume ce différentiel et qu'elles, arrivant après, on leur fasse un autre tarif. Mais on voit bien une chose, c'est qu'à l'arrivée, qui va payer? Qui va payer? La métropole. Évidemment. Et la métropole, c'est qui? La métropole, ce sont les contribuables métropolitains. C'est une évidence, il faut le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle, outre ce péché originel qui dépasse le cadre grenoblois, conjugué avec les exemples grenoblois, j'ai évoqué ceci, en réalité, sur chaque compétence, on pourrait regarder les choses dans le détail et s'apercevoir qu'il y aurait un débat pointu à faire, eh bien, au-delà du cadre général, ces exemples montrent bien qu'à Grenoble, aujourd'hui, Le vote de ce soir, avec le document que vous nous présentez, il signifie de manière inéluctable l'augmentation de la fiscalité pour les habitants de ce territoire. Et non seulement il signifie l'augmentation de la fiscalité des habitants de ce territoire, mais il signifie aussi, dans certains domaines, notamment sur celui de l'entretien de la voirie, une dégradation du service rendu aux habitants. Et c'est donc, au total, un message extrêmement négatif qui est envoyé. Parce que c'est le message que la mutualisation, elle provoque la dégradation, la combinaison, le cocktail explosif de la dégradation du service et de l'augmentation de la fiscalité. Donc comment voulez-vous que nos concitoyens adhèrent à cette démarche, à cette philosophie, à cette logique qui devrait produire les effets inverses. Et c'est une petite touche supplémentaire qui contribue, et je ne dis pas que vous en portez vous seul la pleine responsabilité, mais qui contribue
à discréditer les élus vis-à-vis de nos concitoyens, parce qu'au fond, eh bien, ils ont le sentiment qu'on va, on met en place des dispositifs qui ne servent pas le service public, qui ne servent pas leurs intérêts de vie quotidienne légitimes et bien compréhensibles. Voilà, il lui fallu imaginer un système, au fond, où l'évaluation des transferts de charges ne devrait pas être faite par ceux qui sont partis du dispositif. Et on voit bien qu'il y a là une conjonction d'intérêts des communes, une stratégie de la patate chaude, et ça dépasse les clivages politiques. Je considère que, et c'est le seul point sur lequel je rejoins Madame Olmos, c'est que si au moins il y avait un mode de scrutin direct, à ce moment-là, cette stratégie de la patate chaude, effectivement, elle ne pourrait plus se faire, parce que vous auriez des élus en pleine responsabilité à l'échelon métropolitain qui refuseraient ce jeu de prendre à leur charge ces inconvénients et cette augmentation de la fiscalité. Mais on est dans un système déresponsabilisant où les communes pourront dire « nous n'augmentons pas les impôts » et quand il y aura des augmentations de fiscalité ou de la dégradation du service, eh bien, ce sera la stratégie du « c'est pas nous ». Et c'est ce que nous regrettons et c'est ce que nous avons vu au cours de toutes ces 10-15 dernières années de construction du territoire métropolitain. Et c'est d'autant plus dommage qu'avec le recul, avec toutes ces expériences négatives, on continue dans cette manière de faire. Alors, s'il n'y a plus de prise de parole, je vais faire quelques commentaires conclusifs. Bon, d'abord, une ou deux questions un peu techniques ont été posées, mais il faut juste rappeler d'abord que des services publics, a priori, ce n'est pas fait pour être rentable, puisque c'est financé par de l'impôt, M. Breuil. Après, il y a des opérations qui se trouvent, ramènent des recettes. C'est le contribuable qui paye. C'est nous tous qui avons décidé en fait, de gérer tous ensemble des budgets, parce que si vous devez faire le maître de rue devant chez vous, M. Chamussy, vous allez devoir vous mettre d'accord d'abord avec vos copropriétaires, puis avec votre voisin. Et donc, nous pensons effectivement que l'impôt est une contribution pour gérer le service public, que nous gérons mieux de façon collective, plutôt que chacun devant notre petite maison. Donc, effectivement, ce n'est pas fait pour être bénéficiaire et ce n'est pas fait pour être rentable dans le sens où c'est fait pour utiliser au mieux, pour l'intérêt général des habitants, l'argent que nous avons décidé de mettre ensemble pour gérer certaines compétences et pas l'ensemble de nos vies. Parce qu'il faut le rappeler, le service public et l'action publique ne concernent qu'un bout des activités de la société et c'est bien heureux comme cela. Donc, cette remarque est en fait une autre remarque, cette fois-ci encore plus technique, sur, puisque vous avez fait référence au montant de l'attribution de compensation et en comparant à ce qui est marqué dans le budget prévisionnel 2016. Si les deux chiffres ne concordent pas, c'est que dans le budget prévisionnel 2016, nous avons également un remboursement de la métropole, puisque comme nous en avions délibéré ensemble, en janvier ou février 2015, la ville a pris à sa charge la démolition du bâtiment Alibert pour aller au plus vite, un dossier qui traînait depuis extrêmement longtemps, et que sur un bâtiment appartenant à la métropole nous rembourse, donc tout va bien de ce côté-là. Sur la question des charges liées aux fonctions support, c'est vrai que les villes de taille importante ont des fonctions support parce qu'elles ont des compétences, elles ont des effectifs qui nécessitent des fonctions support, là où dans les petites communes il y a eu une volonté finalement de solidarité et donc c'est la taille de la commune qui a déterminé le transfert des fonctions support. Il faut juste noter que le montant que nous transférons correspond à nos charges, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur qui gagne et qui perd
puisque la loi dit qu'il n'y a pas de gagnant, que l'ensemble des métropoles, qu'elles soient de droite, de gauche, ont la même contrainte et se heurtent au même mode de scrutin qui, pour notre part, ne nous satisfait pas. Mais c'est ainsi à ce stade. Seule la métropole lyonnaise sait déjà qu'en 2020, elle aura un scrutin universel direct qui permettra une clarté politique. Et le choix que nous avons fait au sein du Conseil métropolitain est finalement de préfigurer ces collectivités qui devraient devenir des collectivités de plein exercice et donc d'avoir une couleur politique comme nous avons une couleur politique ici, même si dans certains bureaux de vote, il se pourrait que votre liste soit arrivée en tête, même si je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais sans doute si on cherche dans les 80 bureaux de vote grenoblois. Toujours est-il que la loi est la loi. Il faut rappeler que donc, ces transferts sont faits sur l'ouverture des comptes des communes qui sont regardés par les services de la métropole et qui sont regardés par le cabinet conseil, qui est un des plus grands cabinets conseil qui accompagne les collectivités, dont c'est le travail, et qui a pu donc regarder la clarté des dossiers transférés. En ce qui concerne la voirie, il intervient une complexité supplémentaire qui est à noter, qui est que ceux qui ont très bien entretenu leur voirie et énormément investi les dernières années, si on transfère sur ces pures mécaniques-là, finalement, viennent transférer un équipement de très bonne qualité et viennent financer finalement fortement la métropole qui devra utiliser cet argent pour aller finalement rénover les voiries de ceux qui n'ont rien dépensé, rien entretenu, qui transfèrent des voiries de mauvaise qualité et qui donc, dans les transferts tels qu'ils sont regardés stricto sensu dans les dépenses du passé, évidemment, n'ont rien à transférer. Donc c'est la même question qui s'est posée d'ailleurs pour l'eau récemment cette année. Et je crois que c'est le point que je voulais soulever, M. Chamussy et M. Cazenave, c'est que pour ces transferts pour l'eau, la question s'est posée de la même façon. Quelle qualité des réseaux transfère-t-on? Quels étaient les investissements passés? Et la métropole a confié au sénateur-maire Michel Savin une mission pour évaluer qualité, la sincérité des chiffres qui avaient été avancés par l'ensemble des communes, et il a rendu son rapport récemment qui a pointé quelques soucis sur 49 communes, c'est bien normal, mais qui de façon générale a soulevé le fait que le travail avait été fait dans un bon état d'esprit. Si on peut espérer qu'il y a eu un changement dans la gestion de cette métropole et en ce qui nous concerne dans la relation entre la métropole et la ville-centre, c'est bien le fait que, comme je le disais dans mon introduction, nous regardons cela d'un point de vue de la coopération et non pas d'un point de vue de compétition de compétences, et que ce qui est transféré ici sera à même de porter les projets à l'échelle du territoire, y compris à Grenoble, que nous portons fortement. Voilà ce que je souhaitais dire en conclusion peut-être de ce débat, un débat qui est évidemment le fruit, le résultat de travaux extrêmement techniques qui ont été portés par l'adjoint aux finances Donaud Yaret, Didier Custeau, qu'il convient de remercier, car encore une fois, c'est un travail extrêmement compliqué. S'il n'y a plus de questions, je mets donc ce rapport unique au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc le Front National, les Républicains, UDI, Société Civile. Qui vote pour? Le Rassemblement de Gauche et de Progrès, le Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes. Et nous avons donc conclu l'ordre du jour de ce Conseil municipal, qui restera sans doute comme le Conseil municipal le plus court de notre mandat. Peut-être pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est le cas. Je vous remercie tous de votre participation. Et donc nous nous retrouvons dans 10 jours, le 21 décembre, pour un conseil municipal qui sera sans doute un tout petit peu plus long puisque nous voterons le budget. Merci à tous et bonne soirée.